sais pas j'ai combien de palettes. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert mes cartons. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour un bon petit haul des familles. J'ai reçu ma commande Little Cosmetics. J'avais précommandé le Avatar. Donc c'est finalement arrivé. Il y avait ça dedans. C'est trop mignon. Et du coup, je voulais vous montrer. Il y a beaucoup de nouvelles palettes et pas beaucoup d'autres produits. Je vous avais dit que j'avais commandé la nouvelle palette de chez Sigma. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai pas mis la bonne palette dans le panier. Leur site est vraiment super mal fait. Et au moment où j'ai voulu commander, il buguait tout le temps. Et finalement, j'ai par erreur mis la Alice dans ma palette que je vais donner à ma mère. Puisque je vais pas la réutiliser. Je l'aime et je l'ai déjà. Donc je vais recommander la petite sirène tout à l'heure. Des fois je m'énerve, mais bon. C'est mon erreur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça me ressemble? Absolument. Donc je vais commencer par Little Cosmetics. J'ai pris, je me rappelle même plus tellement ça fait longtemps ce truc. C'était une des plus belles collaborations que j'avais. Je trouvais dans l'exécution et ça m'intriguait vraiment beaucoup. J'ai pris les produits à lèvres. Alors, est-ce que ça a besoin d'être emballé dans tout ça? Je ne sais pas. Mais le rouge à lèvres ressemble à ceci. Là, j'ai la couleur qui s'appelle May. Que c'est beau. Bon, les détails dessus. Oh, c'est aimanté. Ça sent déjà. J'ai commandé les trois rouges à lèvres. Moi, j'ai. En fait, je sais pas, j'ai bugué. J'avais pas envie de faire de choix. Les trois couleurs semblaient belles. Et dans mon souvenir, elles se ressemblaient toutes. Mais. Je sais pas. Je sais pas. Regarde, je vais essayer, mais. Et on va voir. Donc ça c'est May. Et c'est pas méga pigmenté, c'est assez crémeux d'après ce que je vois. Alors c'est pas nouveau hein. Lui c'est Tylee. Avec mon bronzage approximatif là. Si vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, c'est la vidéo de dimanche. Voilà, sinon je mets tout dans la barre d'infos, ce que j'ai mis sur mon visage, si ça vous intéresse. Je deviens un peu lazy sur les liens affiliés, mais écoute, je sens que vous savez trouver les choses vous-même avec une bonne petite recherche Google. Tout le monde est content. Hop là. Et le dernier qui s'appelle Azula. Ouh. Vous voyez ? Très ressemblant les trois, mais les trois me plaisaient beaucoup. Je ne savais pas lequel j'allais prendre, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi un duo de liner. Il y en avait trois, il me semble, et j'ai opté que pour un parce que je sais pas trop la qualité du truc. C'est des duos de liner, donc vous avez un liner crème bleu marine ici et un liner duochrome dessus. Ça ressemble à ça. C'est trop joli. Je trouvais que c'était le combo pour moi qui était le plus unique des deux. Le très joli packaging. J'ai très hâte d'essayer ça. Est-ce que... Je vais voir si le liner duochrome est très opaque ou pas. Ah oui! Très opaque. C'est rare que ce soit aussi bien réussi. Ah bah je suis très contente. Et j'ai aussi pris ça. Et là, j'ai regardé pourquoi j'ai pris ça. Non, mais c'est l'histoire de ma life. J'ai pris des glitters. La boîte. Et le glitter est comme ça. Ah, ok, ça ressemble aux Flakies de chez Danessa Mavericks. D'accord. Eh ben, c'est très beau. Ouais, très beau. Il n'y a pas de... On sent pas la matière. C'est plus des flakies, ouais.
C'est magnifique. C'est plus léger que ceux de Vanessa Myricks. Ok, très intéressant. Très intéressant. Ensuite, j'ai pris les 4 palettes. Parce que je trouvais que les Color Story étaient incroyables. Donc, je commence par la palette. Il y a un nom. Air. Ça ressemble à ça. Trop beau. S'il y a quelque chose que vous voulez que je vous montre en premier, dites-le-moi parce que je ne sais pas par où commencer. Ça, ça doit être Earth. Oh non, c'est cassé. Oh, c'est cassé, c'est tout rétréci dans le pan. Je suis deg. Oh là là, mais pourquoi j'ai pas ouvert le truc avant? Je me nais. Bon, c'est bon, je le presse. J'ai tout le phare. Bon, ça ressemble à ça. Hein. Et le phare est magnifique et très, très léger. Est-ce que vous voyez qu'il... Est-ce que vous voyez un peu le vert? Oui. C'est très beau. C'est... Ça semble pas très gras. Ça, ça doit être Fire. S'il vous plaît, pas d'autres casse. Pas de casse. Oh, oh là là. Il est trop beau. Regardez-moi ce rouge, comme il est vibrant. J'adore. Et l'eau, ça doit être ça, non? Water. De toute beauté. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande chez I Feel Beautiful pour prendre les nouvelles palettes de chez Ainsley Rain. Donc j'ai pris Flourished. Mmh. Oh là là, c'est si beau. Oh, ça me rappelle l'été. Je vais essayer la couleur Nectar. Elle m'inspire. Oh. C'est un espèce de rouge avec du rose fluo, je sais pas trop comment expliquer, et du bleu, ah, et du orange, incroyable. Wouh. Ok, je vais prendre l'autre Flutter. Oh là 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 là, je ne saurais dire quelle est ma préférée. J'aime la Color Story de celle-ci. Essayer la couleur Golden Hour. What? C'est très rare qu'on arrive à voir les shifts sur en caméra juste comme ça. Mais alors là, vous voyez quoi. Bleu fonce. Ensuite, j'en ai profité pour prendre la Groovy Garden parce qu'elle était restockée en même temps. Et comme elle me tentait depuis un petit moment, la voici. J'aime pas tellement les champignons, je dois vous dire. Enfin, j'aime beaucoup les manger, mais esthétiquement parlant, c'est pas mon truc, quoi. Regardez-moi ça. Oh, je sais qu'elle est pas nouvelle, mais j'ai longtemps hésité. Et elle est superbe. Oh. Ils font du beau boulot, hein, chez... Je vais essayer Lava Lamp. Oh, mon Dieu, ce rouge! Quand je vais l'essayer, je vais prendre ce rouge, c'est sûr. Je passe du rouge au vert, vous voyez? Hop. On peut s'éclater des heures comme ça. Et puis, j'ai passé une commande chez Nomad Cosmetics qui m'ont envoyé en 2 paquets différents. Ça a dû coûter un shipping.
J'en ai profité pour prendre celle-ci. Je voulais faire mon opinion, je savais pas trop. La Kiss Beachy and Peachy. Il ressemble à ceci. Tada! Je sais pas, on dirait que le fait qu'elle soit rangée comme ça, ça m'inspirait pas. Puis après, je me suis dit, j'ai rarement été déçue. Rarement. J'ai été déçue, je pense, une fois avec Nomad. Je vais leur donner une chance. Je veux donner une chance à cette palette qui n'est plus trop de saison. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et bien sûr, la Nomad. C'est écrit en japonais. On va dire la Fuji palette, d'accord. Je me rappelle plus, c'était le lac, je sais pas trop. Je me rappelle plus d'une. Oh non, mais attends, mais c'est une œuvre d'art. C'est tout en relief. Est-ce que ça vous saoule pas, les gens qui font des vidéos comme ça? J'ai juste envie de les taper. Je veux vous dire ça. On dirait une peinture, quoi. C'est incroyable. Je ne serai jamais cette personne. Alors, bon, c'est sûr qu'on passe de Ainsley Rain à ça. C'est pas la même. On parle pas du même prix et on parle pas de la même intensité. Mais regardez-moi la beauté. Quel j'essaye? Golden Ginkgo. Ginkgo. C'est très beau. Bon, c'est sûr, à côté il fait fade. Mais c'est une très belle couleur. Une très belle color story. Ah, Fuji Five Lakes, ça s'appelle. Mais c'est vrai. Le packaging est incroyable. Ok. Et pour finir, Charlotte m'a envoyé du PR. Tout le reste est payé, hein. Avec mes sous. Exagerize. Parce qu'en ce moment, je mets... l'autre mascara de Charlotte qui m'ont envoyé aussi, mais je n'aime pas. Le Push Up Lashes. Je mets des fossiles quand j'aime pas mes mascaras, histoire de les finir, mais... Ouh, oh, c'est lourd. Wow. Je veux pas l'ouvrir parce que je veux pas le mettre tout de suite. C'est en vert, ça. On dirait. Voilà, c'est super beau. Bravo Charlotte, j'espère qu'il va être mieux que celui-là, parce que lui il est vraiment pas bon. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit que oui, en effet, elle l'a essayé et elle n'aime pas non plus. Je me sens moins seule. Dès qu'il y a une personne qui pense comme moi, je me sens moins seule. Sur ce, voici le haul. Je vais aller commander la petite sirène là tout de suite. Et du coup, bah, j'avais dit que je prendrais pas de blush. Bah, je pense que ça va être l'occasion pour prendre le blush quand même, parce que le compact est très joli. Le blush ou le highlighter. Bref. Je vais faire ça tout de suite et bientôt on va essayer la Sigma, parce que ça me fait chier de m'être trompée, mais en fait j'ai fait ça dans la chambre d'hôtel quand j'étais au Mexique et je sais pas, ça buguait tellement que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait de la merde, voilà, j'ai fait de la merde, c'est tout. Je vous retrouve, on est qu'aujourd'hui, normalement on doit être mardi, donc je vous retrouve jeudi pour un make-up. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir, on pourrait se voir jeudi avec ça. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye. Ah non, c'est de l'autre côté. Hop, voilà.